Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de batterie externe, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Pour moi, c'est très important d'avoir toujours une batterie externe sur soi pour quand on passe toute une journée dehors, le téléphone ne tient pas forcément toute une journée, peu importe la marque. Et ça peut donc être très utile de pouvoir le recharger en route. J'ai donc commandé il y a 2 semaines ces batteries que vous voyez ici et je les ai testées donc pendant 2 semaines en utilisation quotidienne. Donc un petit peu à la maison histoire de voir le premier jour, mais ensuite je les ai pris dans mon sac et tous les jours je les ai utilisés puisque je passe beaucoup de temps dans la journée sur mon téléphone, ne serait-ce qu'en écoutant de la musique, en codant, et du coup la batterie forcément se décharge. Même si j'ai l'iPhone 10, il ne tient pas toute la journée avec l'utilisation intensive que j'ai. Du coup il faut bien que je le recharge, donc j'ai testé toutes les batteries que vous voyez ici. Il faut savoir que ces deux-là, c'est les mêmes, mais juste en coloris différents. Et vous avez aussi le coloris blanc, si jamais vous préférez. Moi, mon favori, c'est le noir. Du coup, cette petite batterie est une batterie de 10 mAh. Son prix est de 25€. Le lien pour l'acheter sera bien évidemment dans la description, c'est un lien Amazon. Vous pourrez aussi profiter de 10% de réduction sur la batterie que vous voulez acheter grâce au code présent en dessous du lien. L'avantage de cette petite batterie, c'est justement qu'elle est petite. Elle fait environ la taille d'un iPhone 5S ou SE, comme vous pouvez le voir. Du coup, elle tient très bien dans la poche, ce qui est pratique quand on est en train de marcher dans la rue, de ne pas se trimballer avec une grosse batterie, d'avoir une petite comme ça, de brancher le téléphone dans la poche et de pouvoir le charger sur le chemin. C'est à cela que cette batterie m'a beaucoup servi ces 2 dernières semaines et c'est pour ça que je vous la recommande puisqu'elle a une petite taille mais une assez grande capacité pour sa taille. Dans la petite boîte dans laquelle vous la recevrez, vous aurez un petit câble comme ceci pour la recharger tout simplement, puisque pour pouvoir recharger votre téléphone quand vous êtes dehors, il faut bien évidemment recharger la batterie externe avant. Pour ce qui est du temps de recharge, c'est pas excessivement rapide, mais pas non plus trop lent. Et quand vous branchez la batterie à votre téléphone, la recharge est tout à fait normale. Petit plus avec cette batterie externe, c'est que vous pouvez vous servir d'une lampe torche en double-cliquant sur le petit bouton qui vous sert à l'allumer. Elle s'allume aussi automatiquement quand vous branchez quelque chose ici. La lampe torche est quand même assez puissante et c'est quand même plutôt utile si vous êtes dehors le soir ou quelque chose comme ça, ou vous l'avez dans la poche et que vous avez la lumière éteinte chez vous, vous pouvez sortir ceci et avoir une lampe torche en même temps que votre batterie externe. La deuxième batterie, elle est un petit peu plus grosse. Effectivement, elle a une capacité de 20 000 mAh. Pour la recharger, vous pouvez la recharger avec un câble de type micro USB ou USB-C. Nous avons donc le câble USB-C et le câble micro USB. L'autre avantage de cette grosse batterie, c'est justement déjà qu'elle tient plus longtemps, mais qu'en plus vous pouvez charger plusieurs appareils. Donc si vous avez plusieurs téléphones sur vous, un pour le boulot et un personnel, vous pouvez les charger en même temps. Et vous pouvez même brancher de l'USB-C pour recharger votre Mac d'USB-C vers USB-C. Nous avons aussi une lampe torche, comme sur la plus petite, sauf que celle-là est bien plus puissante. Pour la grosse batterie, ce sera donc 44€ qu'il faudra dépenser. Vous avez bien évidemment le lien dans la description qui envoie vers le site de EasyHack, puis vous redirige vers Amazon une fois que vous avez sélectionné votre pays de destination. Et vous avez bien évidemment un coupon de code promo dans la description pour avoir moins 10%. Petit bonus avec les batteries externes, vous pouvez acheter ces deux câbles qui sont livrés donc ensemble, un noir et un blanc. Pour 10,96€, vous aurez donc ces deux câbles qui vous permettent donc d'envoyer de l'USB vers de l'USB-C, ce qui vous permet donc de charger votre Mac par exemple en le branchant comme ceci et l'USB-C au Mac. Si vous voulez charger votre Mac, je vous conseille de prendre la grosse batterie externe et non pas la petite. Donc voilà, ça reste de simples câbles, ils sont juste très flexibles et ça c'est plutôt appréciable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cette petite présentation de produit. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous comptez prendre un des produits que j'ai présenté et lequel. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez une fois que vous les avez reçus. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao.